Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est la vidéo de mon fameux semi-marathon. Donc c'est mon tout premier semi-marathon. Donc on est ici à Eindhoven, donc on va aller chercher nos dossards. Il faut savoir que comme d'habitude, j'ai encore eu des misères. C'est-à-dire que quand j'ai reçu le mail d'inscription, je me suis retrouvée dans la vague C, donc c'est-à-dire la vague avec ceux qui courent potentiellement en 2 heures. Bon, j'ai rien contre les personnes qui courent en 2 heures. Déjà, moi-même, j'ai du mal à courir 2 heures. Mais c'est juste que pour faire un chrono et tout, c'est quand même mieux d'être dans la première vague, donc la vague A, pour avoir des gens potentiellement qui visent le même chrono que moi, c'est-à-dire 1h16, 1h17. Donc voilà, je vais aller à l'helpdesk pour changer ma vague en croisant les doigts pour qu'ils acceptent. Bon visionnage à tous. Je suis descendue à l'hôtel Holiday Inn qui est proche du centre d'Eindhoven. Il est idéalement situé tout près, quelques centaines de mètres, des départs du marathon, du semi-marathon, du quart marathon ainsi que de l'arrivée commune à toutes les distances. Il est également très proche de l'endroit où on peut récupérer les dossards. Il y a également un grand parking sécurisé. C'est parti pour le footing d'activation de veille. Donc, avec Marvin, on va faire 45 minutes à 4,45 au kilomètre. Et puis, 5 déboulés, quoi. Une mise en jambe pour demain. Donc voilà, c'est le jour J, donc le jour de mon premier semi-marathon. Donc on est ici à Eindhoven, mais, comme je l'ai dit précédemment. J'aimerais bien, comme j'ai dit, mon coach vise 3,40 au mille, donc plus ou moins 1h17, quelque chose comme ça. Donc voilà, je vais essayer de partir sur des bases entre 3,35 et 3,40 et voir ce que je tiens. Mais bon, avec les 5 premiers kilomètres, c'est toujours plus rapide, donc... Faudrait essayer de pas aller trop vite. Le parcours est plat, large et attrayant et avec peu de relance, ce qui devrait conduire à un temps rapide. Il y a de plus un soutien enthousiaste des spectateurs et une ambiance très animée dans les derniers kilomètres, ce qui devrait me porter. Het is minder dan 15 minuten nog te gaan voor de start van deze. Participants here today, making it one to remember.
Donc voilà, le semi-marathon est terminé. Donc je réalise 1h15:39, ce qui est pas mal pour un premier. Donc j'ai été plus vite que ce que mon entraîneur visait, vu qu'il visait 3:40 au 1000. Malheureusement, la nuit du semi-marathon, j'ai pas très bien dormi, ce qui a joué sur la course. À partir du 13e, j'avais plus d'énergie, plus rien. Donc j'ai vraiment été comme je pouvais pour terminer. C'était très compliqué vers la fin. Je suis partie trop vite parce que j'avais dit que j'allais partir entre 3:35 et 3:40. Mais bon, avec l'engouement, tout ça, les gens, je passe en 34:30 au 10, qui est un peu rapide, sachant que mon record personnel est en 33:59. Mais bon, j'étais bien, tout ça. Et puis 3 km plus loin, tout d'un coup, je commençais à avoir mal à la tête, tout ça. Il n'y a plus rien qui allait. Mais bon, ce n'est que partie remise, vu que c'est mon premier semi-marathon. Il faut prendre des repères sur la distance. C'est quand même un effort plus long à gérer qu'un 10 km, vu que c'est un peu plus du double du temps. Donc voilà. Et aussi, mon premier semi-marathon, c'est aussi ma première victoire. Donc comme vous pouvez voir sur les photos, j'ai remporté le semi-marathon d'Eindhoven. Donc voilà, c'est entre guillemets une petite fierté. Premier semi-marathon, première victoire. Sachant que j'étais novice sur la distance, donc voilà, c'est top quoi. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la chaîne. Merci à tous.